Bienvenue à Rurutu, dans l'archipel des Australes, ou Tuaapae, comme on dit ici. Terre de culture et de savoir-faire, depuis longtemps maintenant, les petites mains de l'île se sont taillées une belle réputation dans le tressage du pandanus. Partons à la rencontre de Doriane, l'artisane, véritable ambassadrice de son art et de son île. Je m'appelle Teruari Doriane. Je suis née à Tahiti. Je suis la seule de ma famille qui est née à Papeete. Mes frères et sœurs sont tous nés à Rurutu. J'ai grandi à Tahiti avec ma grand-mère. Et à 8 ans, à l'âge de 8 ans, mon père est venu me chercher à Tahiti. On m'a ramené à Rurutu. Donc c'est à l'âge de 8 ans que je suis revenue sur Rurutu pour y vivre, habiter et connaître mes vrais parents, mes sœurs et frères. Du point tranquille, ton petit déj ici sur le deck, tu entends de la musique, c'est de la musique naturelle. Même avec le vent et la pluie, tu as la vue sur la mer, tout ça est relaxant. Je me rappelle quand j'étais sur Tahiti avec ma grand-mère, je fais rien, je fais que de la suivre, de promener. En revenant sur Rurutu avec ma vraie famille, c'est pas là que j'ai appris quelque chose avec mes mains. Donc à 10 ans que ma mère m'avait appris à tresser le tresse le plus facile, à 4, j'ai appris en revenant ici à Rurutu. Là, je suis restée avec mon tanné qui est Poupa, il est dentiste de l'île. Il m'encourage beaucoup dans l'artisanat, de mon savoir-faire. Et il veut aussi que je développe aussi de sortir de Rurutu, de montrer le tressage ailleurs. C'est une chance pour moi d'avoir lui qui aime l'artisanat, la culture. Et de faire ce voyage avec lui pour découvrir d'autres pays et découvrir d'autres artisans comme on avait fait sur l'osier en Europe ou à Touraine. J'ai fait des cours de tressage sur l'osier. Et j'avais emmené une partie du pandanus qu'ils veulent savoir. Donc j'ai fait une démonstration dans ce petit village-là. Eux qui ne connaissent pas le pandanus, ils ne connaissent pas le tressage de la peau des îles. Donc ils étaient très contents de voir. Après, bon, c'est vrai que la Polynésie est vers la France et c'est loin. Il faut venir. J'aime le tressage. Mes grands-parents étaient dedans et le tressage, j'adore faire ça. Donc, je peux dire que c'est une passion et c'est un truc que j'aime bien faire tous les jours. Donc, le tressage, pour moi, j'adore faire ça. Il y avait une légende ici de Rurutu, c'est la légende de Ina. Donc, cette dame, elle habitait sur la montagne, dans sa grotte qui se trouve sur le mont Manureva. Et comme chaque année, les parents ils envoient les enfants couper des roseaux en montagne, et à la tombée de la nuit, les enfants ne reviennent jamais. Ils ne comprenaient rien pourquoi les enfants disparaissent comme ça. Jusqu'au jour où il y avait deux enfants qui étaient capturés, elle a fait danser les deux enfants. Elle était morte de rire, elle avait les yeux fermés, ensuite elle avait détaché pour que les deux puissent danser encore plus pour la faire rire. Et comme elle avait les yeux fermés, et c'est pas là que les deux petits, les deux enfants se sont échappés de la grotte. Donc ce sont ces deux enfants qui ont averti la population, et les trois villages se sont réunis à faire des nattes en fibre de coco. C'est pas là ensuite qu'ils ont attrapé la sorcière, et ils ont ramené au village d'Avira. La population a été voir sa grotte où elle habitait. Donc sa grotte était habillée par des nattes tressées avec du pandanus sauvage qui est tressé en montagne.
Donc c'est par là ensuite la population, les mamans, ils ont su le tressage. C'était grâce à cette dame-là, enfin, à cette sorcière. Depuis cette époque mythologique, les femmes de l'île se sont largement appropriées cet art qu'elles ont fait leur et ont développé leurs propres techniques et savoir-faire presque à l'infini. Il y a le pandanus séché et le pandanus blanc qui est cuit alors. Le pandanus blanc, c'est juste avec du citron et des feuilles de papaye qu'on met dessus, dans une grande marmite d'eau. Ça, je le fais cuire sous le feu. Et au moins toute la journée, ensuite de le mettre un peu dehors, quoi. Ensuite, on met sur le feu et on remplit d'eau. La cuisson, il faut au moins 6 à 8 heures de cuisson avant de retirer les rouleaux dehors. Séché, il devient blanc comme tu vois sur le rouleau. Le marron, c'est plutôt avec l'écorce du haïto qu'on va gratter dessus. Ensuite, il faut râper, il faut mettre dans un grand enchant, il faut le faire tomber, macérer dans une grande marmite d'eau. Pour teinter le pandanus et le pourreau. Après, on essaie de mélanger aussi avec d'autres matières si on voulait avoir une autre couleur comme le marron, le rouge ou le noir. Donc, c'est que des matières végétales aussi qu'on utilise pour mettre dessus. Souvent, je fais des chapeaux, des chéquiers et des portefeuilles. Et des sets de table. Les chapeaux, les différents modèles, que ce soit homme ou femme, selon la demande des clients. Il y a des moules pour ça. On n'a pas tous la même taille de tête. Si je n'ai pas la taille que je voulais, j'irai voir chez ma mère ou chez ma petite sœur qu'elle tresse aussi. Ou chez ma copine. Elle s'appelle Pépé. Nous, on l'appelle Pépé. Il y a son prénom de jeune fille, mais comme c'est tellement long, son prénom de jeune fille, je n'arrive pas à retenir. Donc, tout le monde l'appelle Pépé ici, elle est très connue. Ah,
matin. Ah ouais. Nadre tapo taera rae. Tapo au na tat. Rara yau arat niyo. Dina apo suraraan. Para ito ano mai. Pipe se mo surno. Me movre preno se te tuo roro. Nous te dorions, c'est qu'on est 18 ans maintenant. On se connaît déjà, nous deux pépites. C'était pas encore le tressage, on se connaît déjà comme ça, comme amis. Et avec la rencontre du tressage de l'association, c'est pas là qu'on s'est vraiment connus. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours amis. C'est l'association artisanat à la maman de Dorian. Là, en haut, j'ai posé automaté, là, j'ai William. Il n'y a pas que ma maman, c'était avec ma maman et une autre dame, comme ils étaient dans la même association, Maman Héro, c'était eux deux qui nous ont appris à faire ça. Mais c'est plutôt ma maman le plus souvent, comme ça se passait ici à Vitari, à la pension, quoi. Je vais avec sa maman pour apprendre à tresser. Le chapeau Podanus et le porte-monnaie en Podanus, le truc je ne sais pas faire. C'est sa maman qui a appris à moi. Elle sait tout faire, la maman à Dorian. Le tressage pour le Podanus, elle sait aussi faire le chapeau Nihon, elle sait aussi faire la couture pour faire la robe et le iripiti. Nous, les routes, on dit iripiti, tififoy, cousu à la main. Hein. C'est pas pareil avec ma maman. Ma maman, c'est. Il n'y a que le truc au Pondanus. J'ai trois enfants, une fille et deux garçons. Pour ma fille, j'ai aimé. J'ai aimé qu'elle est là pour apprendre, pour elle, pour son avenir. Avant, quand elle est petite, quand elle est avec moi, j'apprends à tresser comme à Dorian, comme ça, le trône. Sinon, le trama, j'apprends à tresser. Si un jour elle vient, elle me demande de, elle veut tout apprendre à tresser le truc que je sais faire, ben, j'apprends, je donne avec elle. On aimerait bien qu'il y ait un groupe de jeunes filles, qu'on puisse se réunir et comme ça on discute et chacune essaie de faire des choses, quoi. Même si on ne sait pas vraiment tresser, on peut toujours les apprendre. Ça ne sert à rien de garder pour toi, il vaut mieux que tu apprennes à d'autres personnes, que ce soit ton enfant ou autre personne, ça permet pour développer ton île, ça permet de sortir ailleurs de Routou, parce qu'il ne faut pas que ça reste enfermé sur l'île aussi. Ça, je partage avec tout le monde, quelle que soit la personne, que ce soit de l'île ou pas, je partage avec tout le monde. C'est une chose qu'il faut partager. Parce que Routou, c'est l'île qui est connue pour sa vannerie. Donc il faut quand même sortir un peu dehors au lieu de rester fermé sur l'île. À notre neuf. Là, on est en train de couper le pandanus. Le pandanus qu'on utilise pour le tressage, ici chez Yaruto, on dit le paiore. Arimatara est dans la société, c'est Raufara. Parce qu'il y a d'autres pandanus, d'autres arbres à pandanus qu'on n'utilise pas pour le tressage,
comme vous voyez, il y en a partout au bord de mer, que c'est un arbre qui a des fruits et des fleurs. C'est le hara et le inano qu'on utilise pour mettre dans les colliers de fleurs. Et la feuille qu'on utilise pour la toiture qui a beaucoup d'épines. Donc pour le tressage, c'est le seul. Avant, c'était les hommes qui faisaient la cueillette. Enfin, les femmes, ils sont avec aussi. Mais c'est plutôt les hommes qui viennent pour couper, préparer tous les fagots et de pouvoir transporter là où les femmes vont faire le travail après. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a les femmes qui vont aussi couper. En fait, surtout chez nous, nos anciens, nos grands-pères, ceux que j'ai connus, ils ont toujours dit ça. Une fois que tu es dessus l'avion, que tu reviens dans ton île natale, tu as déjà du travail. Mais non, le travail que je dis là, c'est ça. C'est ce que tu vois autour. C'est ce qui est fait à ta main, que tu arrives à produire avec ta main. J'ai vu, c'est chiant. C'est la jeunesse. Les filles, au fil du temps. Quand tu vois qu'est-ce que ça donne, ça vaut le coup. L'homme, c'est plutôt le nettoyage, le découpage. Mais le plus gros du travail, c'est les mamans qui font, c'est les femmes. Là, ils emmènent le fagot à la plage. C'est le travail des femmes après qu'ils vont faire. On l'aide aussi à transporter les fagots, mais pas trop gros, à la bonne taille, quoi. Maman, des fois, elle vient nous aider. On enlève les nervures. Et là, elle est en train de tresser les feuilles qu'on avait préparées pour pouvoir les suspendre après. C'est une vraie rurutu. C'est sa mère qui l'a transmis tout le savoir-faire du tressage, du chapeau, des tapirons, des peignouets, des ovales. Tout ce qui est tressage avec le pandanus, tout a été appris par sa mère. Allez, toi, taponi, à l'époque, on les fait travailler comme il n'y a pas d'école, ils ne vont jamais à l'école.